l'OMS classe des variants en fonction de leurs caractéristiques, de contagiosité, de dangerosité, de risque d'échappement à la vaccination. Le variant auquel vous faites allusion est un sous-variant issu d'Omicron, qu'on trouve essentiellement au Danemark et qu'on trouve aussi au Royaume-Uni. On l'a identifié par technique de séquençage sur le territoire national. Pour ce que nous savons pour l'instant, d'ailleurs l'OMS ne l'a pas classé comme un variant d'intérêt, en tout cas pas à ce stade, pour ce que nous savons, il correspond peu ou prou aux caractéristiques que nous connaissons d'Omicron. Et il n'y a pas à ce stade de connaissance sur des risques de contagiosité vis-à-vis de celles et ceux qui auraient déjà contracté le variant Omicron. Donc il ferait partie, pardonnez-moi, de la gamme des sous-groupes du variant Omicron et ne change pas la donne.